donner plus de jus. On s'en va porter des carcasses de coyotes dans un enclos. Aujourd'hui dans le bois là, c'est vraiment super. À date, on est à notre quatrième spot. On n'a rien pogné encore, mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser aussi, hein, prendre l'air, ça fait toujours du bien ça. On va tester le Hyper Boost de la GoPro 8 Black sur un 4 roues. Accroché après le rack en avant. Bon, voici un... Un beau coyote. Oui. Elle vend jaune. Il est beau. Bien, bien choqué. Bien, très bien choqué. Ça. Direct autour du cou. Bien. Ça, c'est à cause de la branche qui a à un pied du collet. Faut te haut quand tu frappes les canidés. T'as haute arrangée, il y a d'autres branches autour qui viennent mourir. C'est ça. Regardez, on voit le collet direct dans le cou. C'est ça. Ça, ça venait être un dominant. Oui. Après, la forme de la queue, puis tout le kit. Ça a l'air que les dominants, on voit ça avec la forme de la queue. C'est quoi la grosseur de la broche? La 9. La 9 pour le coyote? La 9 dans ma 5. Si tu mets en double, tu peux prendre la 12 dans la double. Mais descendez pas plus bas que de la 12. Sinon, les coyotes, ils vont vous casser à force de brasser ça. Ça devrait être. On rentre en dedans. On tire. On fera se plier un peu. Demain, c'est assez, ça. Ça tient. Bon, c'est toi, on va y mettre ça, c'est après l'arbre. Il a caché, puis il est cassé, puis c'est pour faire. Plus qu'on va l'attacher haut, plus que le coyote, il va mourir vite. C'est demain. On fait pas 51 tours, on en fait 4-5 tours pour être sûr, 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 sûr. Assez fort. On marche jamais avec un collet à une place. On en met tout le temps deux puis trois. Un peu. On va le descendre, lui. Lui, on va passer le collet là. Après ça, on va essayer de mettre des branches autour. Ça, c'est embêté. Avec le coyote qu'on a pogné, il a fait du ravage pas mal. Oui. Fait qu'il n'y a plus grand branche. Il fait des voitures. Il n'est pas salé pour se prendre mal. C'est pas voulu ça. Arrache pas ça là, ça. Et on va le bloquer. Ici, après là, on remet une autre branche à côté de même pour étresser l'entrée.
On va bloquer ça ici. Ah, ça c'est classé pour ici. Oh, il y a des petites branches ici. On va boucher le trou ici qui est à côté. Ça là, fait pour boucher. Ici, il y a un gros trou à côté. Donc on va essayer de le boucher, ce trou-là. Pas tout. On a gardé de la place. Boucher ça, de même. OK. De même. Tête, ça. C'était là. Il faut travailler à l'intérieur. Jamais travailler par l'extérieur. Il y a un collet là, puis après ça, on en a un autre à côté ici. Toujours mettre un autre collet à côté. C'est en plein ça. C'est des oukazou qui décideront d'en passer un autre à côté. Ah. Jamais marcher dans le trait du collet. Jamais. Pas laisser nos odeurs. Pas ces odeurs, les traces visuelles. Il y a autant peur de tes senteurs comme des traces visuelles. Bon, ça, on va l'attacher plus haut, lui, ici, demain. On va le faire deux fois le tour. C'est assez long, lui. Puis, toujours des petits arbustes autour. Toujours des arbustes. Quelle se trace. Ça, les arbustes autour, c'est... Il y a quoi pour le stresser, ça? Ou ceux qui vont tourner autour des arbustes, il est mort. Ça va te choquer encore plus. C'est ça. Ah. C'est quoi les barreaux que tu utilises? Des mini micro camlock. Avec un ressort. Avec des souks. Puis avec des ressorts. Des anti-chevreuils? Oui, des souks, ça c'est des anti-chevreuils. Si tu captures un gros chevreuil là-dedans, tu es certain qu'il y a des grosses chances à 90% que tu y se relâches, le chevreuil. Demain. Là, maintenant, on va chercher des petites branches là autour. Il y en a une petite qui nuit. Demain. Tiens. On va boucher le trou. Oh, le collet s'est refermé. Pas de collet est fermé, mais on va le réouvrir. Avant ça, on marquait des gros collets, des 3,32, des 7,7. Maintenant, c'est du 5,64, 1,19. Les mêmes pour le coyote puis le renard. Oh. Les deux. La même. T'as ici, t'as des branches ici. J'en ai une petite branche là, autour, mais il en manquera une, ça, tout de suite. T'en as en terre aussi, ici. Ouais, c'est ça, on va faire. Demain, t'es. C'est demain. Je vais en mettre un peu. Pas trop, mais un peu à côté. Ici, il ne peut pas te planter, le sol est gelé. Ça, je touche pas à ça, je laisse ça là demain. Regardez qu'est-ce que ça a l'air. Il y en a qui mettent des petites branches autour, mais ça peut, être, ça peut être bon de mettre des fois une petite branche en dessous. Oui. Pour juste pour qu'on y relève le nez quand il va. Mais là, si on met des branches en dessous, les lièvres ils vont passer dedans et on va les embarquer. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lièvres ici. C'est pour ça qu'on n'en met pas en dessous, c'est que. C'est en plein ça. Bon, une installation de fait. OK. Pendant que mon père il regarde ses collets sur le bord, moi je prends une petite marche dans le chemin. C'est toujours plaisant. Ça fait du bien, ça dégourdit. Toutes des trails de chevreuil. Il y a vraiment beaucoup de traces de chevreuil. On voit souvent du lièvre ici. La poule. Ça arrive. Mais là, on n'a pas de fusil. Fait on fait juste prendre une petite marche de santé. C'est vraiment beau. Toujours du bien. Une belle petite marche. Donc, on est rendu à notre autre place. Voici un autre coyote de prix. Il est très bien pris, ça. On le voit, là. Il a pas su faire une job propre. Puis regardez bien l'autre bord, l'autre bout. Allez vous montrer ça.
juste par ici. Bien chaud, chaud autour de là. Hein? Alors, ils sont venus gosser ici. Oh, ils sont pas tout seuls, les nuits, ça. Il y a des laits. Un autre ici, un autre beau. Regardez, comment voulez-vous que le coyote se sorte de ça? Regardez la broche, là. Direct pogné là. D'après moi, il y a un début de gale en plus. Où est-ce que vous voyez ça, la gale? Ah, ça, il manque du poil. Regarde, tu vois-tu le dos, ouais. Comment il est? Oui, il y a des longs poils, puis il n'y a pas de poil. Cochonnerie. Un autre à scrap, presque. C'est notre quatrième aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Voyez-vous comment on dit que les collets, c'est important? Regardez comment il reste de brin. Il a refait. Presque tout est enlevé. C'est ça. Il s'est débattu, oui. Tu es capable de passer ça, ça. Oh. Ouais, passe-le ce bas-ci. Ok, t'as du lousse, là. Ah. Ok, il y a ça comme qui restait. Il reste à la moitié. Ouais, même pas. Voyez-vous? Voyez-vous quand on dit qu'il y a la gale? Regardez le dos. Voyez-vous? Ici, le poil, là, il est pas mal plus court que rendu dans le dos. Ça, c'est pas bon. Non. Ça vaut rien. Ça vaut rien pantoute. Voici comment on ouvre un piège à castor ou un piège à loutre. Avec une bonne paire de pinces, c'est toujours gagnant. On va laisser par l'autre bord, cette demain. Ça, c'est la sécurité avant tout, ces pièges-là. Ouais. On le voit pas bien, cette. Ça va pas bien. Un peu. On va changer de manière demain, peut-être. Oui. Demain. OK. Ouais, dans la neige, pas pareil comme ça à terre. Non, non. Ok, celui-là, il va aller mieux. J'ai mis le crochet sur le bon bord. Même pas, il est en envers, lui, ici. Un peu. Ok. On va vérifier aussi que j'ai mon petit crochet de sécurité dans mes poches. Un peu. On va regarder ça, j'ai pas mes crans de sécurité ici. Non, il n'est pas là. Il est là parce que c'est le premier ici. Un peu. J'ai-tu mon petit crochet de sécurité ici? Oui. Et là, la main. Je mets toujours mon crochet de sécurité de main. Ça sauve bien les doigts des troubles. Bon, ça, maintenant on va descendre cette en place ici. Toujours être prudent quand on joue dans l'eau. Toujours. Mais là, parce que c'est formé ici. Maintenant, on va descendre dans l'eau. D'eau, mais ça c'est que on est capable de faire de quoi de bien. Regardez ça, c'est un petit peu. Ah, on va mettre ça demain. C'est là. Il y a eu d'autres, c'est une, deux, là. J'ai mon piège, c'est demain. Il m'en manque, c'est un peu. C'est là, oui. J'aurais dû ramasser des lots là-dedans. Allez, on va commencer par ça. On va enlever le pierre, on va l'armer. Le bras, c'est un peu ma détente, puis mon chien, pour être sûr qu'il reste là. Ok.
Là, il est armé. Mon cran de sécurité pour jouer dedans. J'ai toujours un bâton dans mes mâchoires. Je descends ça dans l'eau. Je prends ma petite broche de main. L'autre. De main. De main. Je rentre là. Dedans des ressorts. On rentre assez cru pour que ça soit ferme. Bon, de main. OK. Là, maintenant, je vais rentrer une pêche dedans. Demain, on va l'envoyer demain, c'est juste pour embarquer, pour obliger ma loutre à plonger par-dessus ça. T'es demain, hein? Là, il manque des petites gouttes cette à côté, pour être sûr que... Elle passe pas à côté. Pour boucher le trou un peu plus possible, me rend des bons bâtons, et c'est demain, bon, ça c'est là. Tain, c'était là, lui, il va servir à quoi? Bon, de même, c'est plein. On va fermer ça. Je vais fermer plus un peu. Demain. Là, maintenant, j'attache ma broche. Une perche est assez solide, cette demain. Parce que quand je capture une loutre, en temps normal, avec un 330, on les capture au niveau du corps. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas le mettre demain. T'es de même. OK, c'est bien beau. Super.